c'est Tatanexua et dans cette 19e vidéo de la saison 4, on va parler comment vendre notre plume, attirer, parler de son ouvrage avec des exemples, bref, comment faire. La semaine prochaine, ce sera la dernière vidéo de la saison 4, on fera un petit bilan de tous les conseils qu'on a vus et aussi je vous annoncerai la suite du programme de la chaîne. En attendant, on va réussir à vendre le générique ou pas? Vendre notre plume? Alors oui, ça fait un petit peu étrange dit comme ça, et le spectre de l'entretien d'embauche flottera sûrement au-dessus de votre tête, mais il faut comprendre l'idée. Pour un entretien, on nous demande souvent de nous connaître, nos qualités, défauts, compétences pour réussir à décrocher un poste, se vendre à un recruteur finalement. Pour un ouvrage, c'est pareil. Sans écraser les autres, il va falloir sortir du lot et mettre en avant sa patte. Pourquoi le voisin et pas moi? Et pourquoi pas tout simplement les deux? Savoir se vendre, c'est se mettre à la place du potentiel lecteur. Chaque livre peut trouver son lecteur et sa lectrice, et on va voir ça ensemble. Dans le monde des livres! Comme tout entretien d'embauche, vendre son livre, c'est déjà le connaître. Oui, votre ouvrage, votre plume, histoire, perso, intrigue, il y a des qualités, à vous de les faire ressortir, et si vous ne les voyez pas, ne vous inquiétez pas, les lecteurs, les lectrices les verront pour vous. À côté de ça, votre ouvrage a aussi des défauts. Et c'est bien de les avoir en tête, savoir aussi les utiliser au bon moment. Vous n'avez jamais eu ce lecteur qui vous dit en salon ou lors d'une séance de dédicace ou même en commentaire sur internet? Ouais, mais moi les livres, j'aime pas quand c'est long, les descriptions là, interminables, non mais désolé, je peux pas. Votre ouvrage en a peu de descriptions et vous pensiez que c'était un défaut irréversible? Ah bah vous savez, moi aussi j'ai du mal avec les descriptions, je m'entraîne tous les jours, mais ne vous inquiétez pas, dans mon ouvrage il y en a peu et vu que c'est un one-shot assez court, il pourrait effectivement vous plaire. A contrario, vous pourriez recevoir... J'adore les descriptions! Et comme dans Le Seigneur des Anneaux, je lis tout, même les chants, je prends des notes, j'adore les pavés, je les dévore! À ce moment-là... Oh, vous savez, je viens de publier justement le premier tome d'une saga fantasy, est-ce que vous souhaiteriez un extrait? Connaître ses forces et ses faiblesses, c'est donc la première étape. Ensuite, il faut accepter l'idée de vendre et du coup, si on découle, de se vendre. Pour nombre de personnes, vendre ou se vendre, ça a une connotation négative. Pire encore, quand un artiste ose, notez bien le ose, transmettre ses tarifs à un potentiel client, beaucoup vont rétorquer « Ah, mais c'est pas gratuit! Tu sais, je peux te faire de la pub sur machin et machin en visibilité, hein, et hop !» On respire un grand coup et on get out ses énergumènes. Ouais, mais de toute façon, les artistes, c'est non essentiel. Dixit, un certain sondage qui est passé sur les réseaux récemment. Ne vous inquiétez pas, contrairement à d'autres vidéos, vous pourrez regarder les liens dans les sources. Je suis remontée au fin fond d'internet pour retrouver la source originelle du sondage. Et on va relativiser les résultats, car on n'a pas du tout interrogé des francophones. Ah ouais, non essentiel, donc les livres, les séries, les jeux vidéo, les films, les tableaux, les créations, etc. Sans ça, vous feriez quoi? Non mais c'est qu'une passion, tu sais. De plus, on a tous des charges à payer, des factures qui tombent tous les mois, on a besoin de boire, de manger, etc. Et oui, tout travail mérite salaire. C'est difficile de se sentir légitime, je sais. C'est difficile aussi de se dire « je vais gagner de l'argent avec mes livres, je sais ». Certaines et certains ne sont pas prêts, ok, c'est pas grave. D'autres, au contraire, veulent justement franchir cette étape et aussi dépasser un petit peu leur angoisse. Alors déjà, il va falloir se libérer de ce carcan, de cette négativité. Youp, adios la négativité. Qui êtes-vous? Que cherchez-vous à obtenir? Vous êtes auteur, autrice, est-ce que vous voulez vivre de votre plume? C'est votre rêve, il n'y a absolument aucun mal de penser à ça, ni vendre ses écrits pour ça, et je vous le dis et j'insiste dessus. Il va falloir s'appuyer sur un réseau, oui, évidemment, mais si ce réseau reste comme il est, vous allez vite en fait tourner un petit peu en rond. Il faut être ready pour attirer et convaincre de nouveaux lecteurs et lectrices chaque jour. Ou alors semaine, un ou mois, en fonction effectivement de votre rythme. Puis, s'assurer une présence. Vous vous doutez bien qu'il faut du temps, ça ne se fait pas d'un petit claquement de doigts. Alors oui, certains réussissent rapidement ou déclenchent aussi des coups de cœur au niveau des lecteurs et des lectrices, ça peut arriver, mais en majorité, ce n'est pas en partageant la toute première fois le lien de vente de votre ouvrage que vous allez avoir une vague de ventes d'un seul coup. Alors encore une fois, je me mets à la place d'un auteur débutant. Il est vrai que quand le nouveau livre de Maxime Chatham sort, les gens peuvent se précipiter pour l'acheter, mais pourquoi? Parce qu'ils connaissent déjà la plume, le style, peut-être aussi même l'histoire si c'est une saga, parce que l'auteur est présent sur les RS, etc. Bref, tout vient à point à qui c'est attendre. Et ça ne sert à rien d'insister et de marteler le même message chaque jour. Non, varié, on en a déjà parlé. Travailler son image et celle de l'ouvrage. Ouais, des ouvrages hein, également aussi de vos écrits. Il faut inspirer confiance et rassurer, surtout en auto-édition. Beaucoup ont des idées reçues, ne vous inquiétez pas, on en reparlera. Et n'osent parfois pas acheter un livre auto-édité. Pourquoi?
On le verra dans une vidéo spéciale que je vous réserve en collaboration avec une super booktubeuse. Et il y aura aussi également une autre collaboration, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Mais il y a par exemple l'idée reçue que ce ne serait pas corrigé. En parlant de collaboration, mettez en avant vos collaborations. Vous avez payé un correcteur ? Il accepte d'être vu ou tagué sur les réseaux sociaux ? Parlez-en. À titre personnel, j'écris quand même pas mal de tweets et de posts aussi pour l'évoquer ou les évoquer aussi également. Au début, c'était par exemple un petit tweet pour dire « Allez, dernière correction avant envoi chez la correctrice !» Et après, celle-ci renvoie un gif « parce qu'elle a hâte. Ça peut être aussi « Vous ne connaissez pas encore le travail de X ou Y ? Eh bien, sachez qu'elle a corrigé justement mon ouvrage !» En plus, si la communauté la connaît, c'est un véritable plus, et si c'est quelqu'un de fiable, bon point. Et au moment de recevoir les corrections aussi, n'hésitez pas à faire un petit post. Ah, ça y est, j'ai reçu les corrections à faire! Je vais m'enterrer 6 pieds sous terre, au secours! Oui, on communique. Et ça permet aussi souvent de relancer la discussion avec des lecteurs, peut-être pourquoi pas sceptiques, qui, en découvrant que vous confiez votre ouvrage à un pro ou une pro, vous font confiance. Montrez des extraits, montrez par exemple votre épreuve en vidéo sur les réseaux sociaux, les potentiels lecteurs et lectrices vont pouvoir voir et admirer aussi votre travail. Ça peut être le cas aussi des stories sur Instagram, des flits sur Twitter, ou même aussi de la story sur Facebook, etc. Et certains pourraient même appuyer justement sur l'écran pour vérifier que le texte soit justifié ou que le prix apparaît sur la 4e de couverture. Non, je me vise absolument pas. Travailler son image ensuite, c'est à chacun de savoir ce qu'il elle veut. Veut dans le sens partager, communiquer, parce qu'effectivement on n'a pas tous le même objectif. Alors pour ma part, je différencie ma vie privée de ma vie professionnelle. Je ne parle absolument pas de politique ou de religion sur mes comptes parce que c'est pas mon but en fait, c'est pas mon objectif. Je n'évoque pas non plus par exemple les problèmes avec ma voiture ou le fait que je suis encore tombée dans les escaliers en descendant les poubelles. Rigoler. Bref, je préfère me concentrer sur le positif. Et si vraiment j'ai vraiment un bad day, un bad mood, que je me sens pas bien, ou que par exemple j'ai des rendez-vous médicaux, il est vrai que je serai moins présente sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Tout simplement pour ne pas diffuser de mauvaises ondes. Au contraire, j'ai une amie qui a besoin d'extérioriser ça. Elle a besoin de poster souvent, d'être rassurée, et du coup elle parle absolument de tout. C'est son choix! Et je ne jugerai pas quelqu'un qui au contraire va être carré, qui va parler que de ses livres, ou quelqu'un qui va parler que de sa vie. Et si son contenu ne vous intéresse pas, c'est pas grave, il suffit de ne pas suivre la personne, tout simplement, ou alors de l'unfollow si vous la suiviez avant, de masquer les tweets, etc. Et vous pouvez aussi également dire aux algorithmes, bon je trouve pas forcément ce tweet pertinent, non par exemple j'aimerais bien un petit peu restreindre cette personne, j'ai pas forcément envie de voir ses stories, etc. Par exemple, si vous n'aimez pas par exemple les stories d'une personne, vous pouvez très bien le mettre en sourdine sur Instagram. Ce sont vos comptes, vos façons de faire. Et ce, je le rappelle, toujours dans le respect. Ça ne sert à rien de dire « Oh là là, il y a Machine qui a encore publié ça, c'est franchement de la merde. » Mais à ce moment-là, ne regardez pas ce que Machine fait. Ouais, mais c'est beau tout ça, mais de toute façon, je suis nulle en vente. Ah ! Ne vous rabaissez pas. Jamais. Certes, il ne faut pas avoir la pastèque. Être vantard, d'accord. Mais il faut apprendre à accepter les compliments, car oui, il y a des personnes qui vous feront des compliments. Je sais, c'est dur, je fais partie des personnes qui n'en ont pas reçu beaucoup plus jeunes, et j'ai plutôt reçu l'inverse, et à force, ça brise un petit peu le peu de confiance qu'on a. Et dès que quelqu'un nous dit « Hé, au fait, ton histoire, elle est géniale !»« Au fait, j'ai adoré Mathieu, ce perso, il est trop excellent !» On a tendance à faire un grand sourire. « Merci !» Alors qu'en réalité, au fond, on pense « Pourquoi il, elle, ne dit pas la vérité ? Pourquoi il dit que, pourquoi il dit pas que c'est une merde, en fait, que ça sert à rien, que c'est nul ?» Et on doute. Ah oui, il va falloir lutter contre, et je sais, c'est compliqué. N'en faites pas des caisses. Oui, avoir confiance, c'est essentiel, mais attention aux excès, et je ne parle pas de ceux des fêtes de fin d'année. Il ne faut pas survendre un livre, ce serait complètement contre-productif. Mon livre est un chef-d'œuvre, aucun défaut, et j'ai eu absolument besoin de personne pour le faire. Déjà, un chef-d'œuvre pour qui? Parce que alors Larousse dit, j'invente rien. Ce qui est parfait dans son genre, un chef-d'œuvre d'hypocrisie. Vous pouvez vérifier en regardant les sources dans la vidéo. Oui, ce que vous traiterez comme un chef-d'œuvre, ou même d'ailleurs les livres qui ont obtenu un prix, peuvent ne pas plaire aux autres. Oui, l'ouvrage de Z, il a gagné 7 prix, c'est forcément qu'il est bien. C'est tout simplement qu'en fonction du jury, du barème, s'il y en a un, ne vous inquiétez pas, on y reviendra au niveau des jurys justement de concours, tout comme les comités de lecture. Cet ouvrage a juste transporté la majorité à un instant T. Vous n'êtes pas un extraterrestre si vous ne l'aimez pas. On ne contrôle tout simplement pas ses sentiments et ses goûts, c'est normal. Pareil pour n'importe quel livre. Pour certains, ce sera une œuvre accomplie, pour d'autres, ça ne le sera pas. Ensuite, le « je n'ai eu besoin de personne ». Alors ça, c'est souvent l'argument qui m'agace. Personne, vraiment. Alors il y a une autrice qui disait ça un jour, qu'elle avait eu besoin de personne, aucun alpha ni bêta lecteur, que dalle. J'ai lu son ouvrage, alors c'était pas non plus une catastrophe, mais il y a plein de choses qui n'allaient pas. Que ce soit de la MEP, MEP c'est mise en page, aux fautes, au résumé pas du tout accrocheur, bref, je l'ai aidé.
Quelle joie de voir plusieurs mois après encore le « je n'ai eu besoin de personne ». Bah tant pis, get out. Alors souvent, les gens qui affirment ça, je me méfie. Car du coup, ça signifierait aussi aucun correcteur, absolument personne, aucun lecteur aussi qui aurait donné son avis, qui aurait permis par exemple de rebondir. Non, parce que alors, je connais des personnes en fait qui, après avoir publié un ouvrage qui avait reçu mais plein de commentaires négatifs, ont retiré l'ouvrage et qui, 6 mois plus tard, reviennent en ayant un petit peu changé le titre, hein, en ayant évidemment assimilé les modifications du coup par rapport aux commentaires négatifs, et qui refont « mais je n'ai besoin de personne, et voilà, mon livre sort ». Vous êtes quand même au courant que c'est pas une tare de demander de l'aide, d'accepter de déléguer, de dire « oui, j'ai eu besoin d'un correcteur ». De déclarer « oui, j'ai mon mari qui m'a écouté par exemple parler de mes idées » ou « j'ai ma compagne justement qui, l'air de rien, m'a aidé à construire mon histoire ». Oui, parce que juste de parler de votre histoire et les gens justement avec qui vous allez échanger, bah ça fait un petit peu aussi l'office d'un AL. Alors bref, à moins de tomber sur la personne qui sait tout et tout faire, visiblement même de prendre du recul sur son propre récit, alors que c'est très très difficile, non? Nope. Préférez mettre en avant les personnes avec qui vous avez travaillé. Écoutez, mais aussi lisez. Dans un article de marketing, j'ai lu une phrase qui m'a interpellée. Pour bien vendre, il faut savoir se taire, prêter l'oreille à son interlocuteur, faire preuve d'empathie. C'est tout à fait ça. On en avait parlé dans la vidéo du public cible, fifiche. Il faut être ouvert au dialogue, discuter avec l'autre, écouter les besoins des lecteurs. Cela ne sert à rien de matraquer votre ouvrage dark fantasy à une lectrice qui préfère les lectures doudou de Noël. Idem quand vous êtes en salon avec des enfants qui viennent voir votre stand. Vous avez un ouvrage jeunesse, c'est le moment. Pourquoi vous acharner à essayer de leur vendre votre saga de 7 tomes en SF alors qu'ils ne sont pas le public cible ni les parents visiblement et qui n'ont vraisemblablement pas envie de l'acheter? Alors oui, c'est sûr que cette vente, hein, au lieu d'une, ce serait mieux, mais en réalité, vous n'allez peut-être jamais réussir à convaincre. Et du coup, à conclure. On respire et on écoute. Préférez les questions, qu'est-ce que vous aimez lire habituellement? Vous préférez les pavés ou plutôt les livres courts? Les sagas ou les one-shot? Les romances ou le fantastique? Est-ce que ça vous dérange s'il y a une histoire d'amour justement dans le récit? Ah oui, je rappelle parce que beaucoup font encore un petit peu l'erreur. Attention, romance, c'est vraiment un genre. Et que l'histoire d'amour, c'est justement qu'il y a des personnages qui se rapprochent. C'est pas parce qu'il y a une histoire d'amour que c'est forcément une romance. Et après, on va encore plus loin. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut sortir de sa zone de confort? Participer à un challenge par exemple. Winter challenge, Pumpkin challenge, auto-édité challenge, bref, il y en a pour tous les goûts. Certains peuvent écrire un post en déclarant « je fais le challenge, lire des ouvrages avec une clé sur la couverture ». Vous en avez un? Proposez votre livre! Je fais le challenge, lire uniquement de la fantasy alors que je déteste ça. Allez, balancez-moi vos liens! Vous avez une fantasy? Profitez-en! N'hésitez pas. Alors oui, ça demande effectivement une présence. Ou en tout cas, d'être abonné à certains comptes, souvent on va dire de chroniqueurs, de chroniqueuses, ou d'actualités littéraires, de groupes Facebook, etc. C'est bien pour ça que j'en avais parlé dans les vidéos précédentes. L'humour. Oui, avec un grand H. Ça peut aussi être H comme humanité. Bien sûr, l'humour est à doser. Surtout quand on ne connaît pas la personne, ça peut vite devenir gênant. Ou engager une conversation amusante, ça va dépendre. Je connais nombre d'auteurs, d'autrices, dont moi, qui utilisent justement l'humour pour se promouvoir. Si ça fait partie de votre personnalité, n'hésitez pas. Vos arguments de vente. Le sourire. Oui, c'est une bonne chose, ça ne suffit pas, mais c'est déjà la base. Transmettez de l'émotion pour vendre, c'est ultra nécessaire. J'avais déjà évoqué quelques arguments de vente dans les précédentes vidéos. Là, on va mieux en parler avec des exemples. Exemple avec les trucs et astuces de Tata Nexua. Alors déjà, un très très grand merci pour les cobayes qui ont accepté de participer, on va dire un petit peu de se soumettre également à mon jugement. Bon, après je n'étais pas vraiment seule pour ce projet, mais en tout cas je vous dis un grand merci. Alors le but n'est pas d'afficher les auteurs, hein, de critiquer telle ou telle participation, non. C'est de savoir si un jour vous avez un lecteur potentiel, là, d'un coup, qui vous demande de parler de votre ouvrage. Vous n'allez pas lui exposer un pavé, vous allez essayer de l'accrocher en fait, directement. Se vendre, c'est difficile, vendre son ouvrage encore plus. Alors j'ai donc proposé une petite expérience à laquelle je me suis aussi soumise. En plus, Léo ne m'a même pas laissé choisir l'ouvrage, hein. Il me l'a imposé direct. Hein. Alors commençons par ma nouvelle qui est donc passée à la casserole, j'ai nommé Noël au Royaume du Cid. J'ai réussi à sortir Romance à la sauce Maritza, préquel justement de Rattrape-moi, j'évoque le changement climatique et stop, c'était déjà la fin du chrono. Alors oui, pour tous les cobayes et moi-même, on avait exactement une minute pour réussir à retrouver des arguments et juste quelques lignes. C'était chaud. Et pour parler de cette nouvelle, eh ben, c'est Mélanie Desforges en réalité qui en parle même mieux que moi. Elle a dit « Un père de famille qui, plutôt que d'aller faire soigner son addiction, préfère vendre ses enfants à la monarchie, quitte à ce que ça se retourne contre lui. » Oui,
je suis tout à fait d'accord avec elle. Elle a réussi à placer l'un de mes thèmes, l'addiction à l'alcool. La monarchie aussi. Bon, après, effectivement, il manque le changement climatique, le fait que ça se passe quand même en 2100 et quelques. Mais c'est pas grave, hein, c'est vrai que c'est plutôt assez accrocheur. Autre exemple, ce que l'auteur dit. Chris, c'est une femme discrète et brisée qui se laisse porter par son quotidien jusqu'au jour où les éléments naturels se déchaînent et plongent le monde dans un hiver sans fin. C'est dans ce décor apocalyptique qu'elle va développer une rage de vivre et un courage sans limite afin de protéger ses enfants. Alors c'est pas mal, après c'est un petit peu long, je sais pas si en salon lors d'une séance de dédicace, l'auteur réussira à ressortir tout ça. Ce que j'en dis, vous avez envie d'un ouvrage dystopie orienté sur la survie, retenir son souffle, un hiver volcanique étrange, avec une protagoniste qui est maman et asthmatique, Le Dernier Souffle est fait pour vous. Et on enchaîne. L'autre vie de Sophie, c'est un roman historique et paranormal sur fond de réincarnation. Je me suis inspirée des vies antérieures qui impactent nos vies actuelles. Alors c'est plutôt pas mal, hein, franchement, bien joué Marie, parce qu'en seulement quelques mots, on a le genre, l'ambiance et l'intrigue. J'ai pas grand chose à dire, on va quand même droit au but. Face au lecteur potentiel, à rajouter peut-être à la limite une question, croyez-vous à la réincarnation? Ça peut lancer justement la discussion autour de l'ouvrage. Le Portail est un roman d'horreur épouvante qui joue sur les clichés du genre tout en permettant de faire connaître des mythes et légendes celtiques. Il propose une plongée dans une psyché torturée guidée par la peur du protagoniste. Alors c'est pas mal, on a le genre, l'idée justement des clichés, les mythes et légendes. J'apprécie aussi beaucoup la phrase de fin car c'est vraiment le cœur de l'ouvrage. Alors oui, je l'ai lu et chroniqué, chronique vidéo sur la chaîne. En revanche, le côté fantastique n'a pas été précisé et ça c'est dommage puisqu'on baigne complètement dedans du début à la fin. Le Portail s'inscrit dans le fantastique, l'horreur épouvante. On va plonger dans une psyché torturée, guidée par la peur du protagoniste. Je joue sur les clichés du genre avec par exemple l'invocation des esprits, les rituels de sang, tout en permettant de faire connaître des mythes et légendes celtiques. Si tu aimes les années 80, les histoires d'amour adolescentes et les journaux intimes, ce roman est fait pour toi. Ah, c'est pas mal, mais y a pas assez. Alors déjà, l'histoire se passe à Rennes, hein, là et j'en ai pas forcément de traces alors que ça peut intéresser. En plus, c'était un petit peu trop direct. Pourquoi pas, le journal d'Enora Le Dontec. C'est une histoire qui se déroule à Rennes. Enora va tenir un journal intime dans lequel elle racontera tous ses secrets, ses amours adolescentes, ses déboires, ses joies, avec cette nostalgie des années 80 retranscrite par ailleurs sur la couverture. Pourquoi pas ? Métamorphose est l'histoire d'un jeune garçon qui tente de trouver sa place dans un royaume où ce qu'il est détesté et craint. Alors c'est une histoire davantage portée sur son évolution, et là stop, hein, puisque le chrono s'est arrêté, et il manque un petit peu une accroche, un lien. Ce que j'en dis, Métamorphose est une quête de soi, contrairement aux autres fantaisies disons un petit peu plus classiques, hein, là le jeune garçon ne va pas accomplir une quête parce qu'il est l'élu ou soulever une épée d'un rocher, non, on va s'intéresser au passage difficile à l'âge adulte. Et je me suis inspirée de ma propre expérience pour écrire et faire grandir mon personnage, pourquoi pas. On poursuit. C'est une histoire mêlant imaginaire et réalisme, action et psychologie pour traiter de manière différente les histoires de magie et de pouvoir. Alors effectivement, une fois que l'autrice a eu un peu plus de temps, hein, que le chrono, il y avait forcément un pavé, on va dire, à dire, mais ce qui m'a perturbé, c'est qu'il y avait en fait des thèmes dans son ouvrage, mais qu'elle n'a pas pu ressortir en speed, et ça c'est vraiment dommage. Je pense au rapport à l'autre, au harcèlement scolaire, tout ça on va dire avec des événements et une intrigue surnaturelle. Et finalement, de fil en aiguille, un autre pitch peut être fait. C'est une histoire qui mêle plusieurs genres et qui brasse des thèmes comme le rapport à soi ou le harcèlement scolaire sous fond d'intrigues et d'événements surnaturels. Mes persos sont des adolescents qui ont chacun des pouvoirs et un destin. Elles le vivent comme une malédiction, mais vont devoir apprendre à s'accepter tout en gérant une mystérieuse menace extérieure. Est-ce que vous sentez déjà un petit peu la différence avec tous ces exemples? On poursuit. Peur primale, un livre où la peur s'immisce. Tournez les pages et pénétrez vos plus sombres cauchemars. Ouais, on peut un petit peu mieux faire. Un petit peu court. Ce que j'en dis. Déjà, l'auteur n'a même pas précisé qu'il s'agissait d'un recueil de nouvelles plus ou moins courtes, ni par exemple d'exemples de créatures. Est-ce qu'il y a des loups-garous, des créatures extraterrestres? On pourrait faire. Peur primale, c'est un recueil de nouvelles qui va vous retrancher dans vos peurs les plus intimes. Quels sont vos plus sombres cauchemars? Imaginez un loup déchaîné ou des tentacules qui encerclent vos pieds et vos mains. Ou encore une créature prête à vous bondir dessus. Une eau à 24 degrés, c'est un roman qui allie le suspense, le mystère et qui te fera autant voyager à travers le monde qu'à travers la psychologie du protagoniste. Alors c'est pas mal, en revanche je trouve ça un petit peu très théorique en fait, un petit peu très technique tout ça. Mais encore, eh bien l'auteur a oublié de dire que ça parlait d'une disparition, qui est pourtant l'essentiel puisque c'est l'élément déclencheur. Alors, il a pas parlé non plus de l'histoire d'amour également, alors c'est pas une romance, donc c'est pas grave. En revanche, il y a quelque chose qui m'aurait plu, c'est pourquoi le titre, Une eau à 24 degrés. Une eau à 24 degrés est un roman qui évoque une disparition, en alliant suspense et mystère, et qui te fera autant voyager à travers le monde qu'à travers la psychologie du protagoniste. Allez-vous fondre d'amour ou enquêter ?
qu'est-ce que ce titre vous inspire d'ailleurs? On continue. Néasia est un web-feuilleton mêlant fantastique et fantasy. On y suit les aventures des gardiens, des mages devant protéger Néasia et la Terre. Alors déjà, effectivement, l'autrice, un petit peu sous le coup du stress, hein, c'est un petit peu l'objet de cet exercice, évidemment, a oublié de préciser bien l'ennemi, et qui a des pouvoirs, et aussi qu'elle parlait de l'anxiété. Remettons un petit peu tout ça en forme. Néasia est un web-feuilleton mêlant fantastique et fantasy. Vous allez suivre les aventures des gardiens, des mages au pouvoir issu de divinités, qui devront protéger Néasia et la Terre du fléau. Un démon voulant assujettir les terriens sans magie ni défense. Et on poursuit. La saga Projet Espoir. Et si tes peurs prenaient vie pour t'arracher la vie, elle se l'a survécu. Pourquoi? Alors effectivement, déjà, première chose, quand l'autrice a eu plus de temps, elle n'a pas dit que Projet Espoir flirtait entre le fantastique et l'urban fantasy. Et c'est aussi plutôt une part obscure que peur en plus, hein, c'est un petit peu vague, elle a totalement raison, en tout cas, elle a vraiment réussi à mettre les points sur ce qui manquait dans le pitch. Alors après, il y a aussi deux fois le mot vie, hein, et également, elle n'a même pas précisé que c'était une saga de 4 tomes. Projet Espoir, c'est une saga de 4 tomes qui flirte entre le fantastique et l'urban fantasy. Que se passerait-il si une part obscure survivait et pire? Gagnerait peut-être du terrain au fil de l'aventure. Oui, c'est possible. N'avez-vous jamais aimé lire de nouveaux genres littéraires? Des romances qui pourront vous éclairer sur votre chemin de vie et vous faire découvrir des chemins parallèles encore jamais parcourus? Un fantasme et des griffes est là pour vous faire voyager entre passionnés de lecture. Alors ce que j'en dis, c'est un petit peu encore technique et surtout un petit peu vague finalement. J'ai ressenti peu d'émotions alors que pourtant c'est quand même une dark romance MM et que ça reste plutôt assez général. De nouveaux genres littéraires, oui, qui sortent des sentiers battus, du coup ça il faudrait peut-être insister là-dessus. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas de la dark comme on croit ou alors à la sauce par exemple de l'auteur? Le titre est très parlant, ça appelle à la découverte, oui, mais un discours comme ça c'est un petit peu, on va dire, trop général. Ça je l'ai déjà entendu, vous avez envie de lire de nouveaux genres littéraires, lisez mon ouvrage, ça bah oui d'accord, mais il manque un petit peu l'émotion derrière. Du coup j'ai un petit peu farfouillé pour retrouver le résumé en quatrième de couverture de l'auteur pour ajouter un petit peu de piment au pitch. Avez-vous envie de découvrir un nouveau genre littéraire? Imaginez si le fantasme d'une vie devenait réel. C'est ce qui va arriver à Thomas qui verra sa vie bouleversée. Un fantasme et des griffes est une romance MM dans laquelle l'ambition prend une certaine place. Une histoire pourra-t-elle naître entre les personnages? On poursuit. Dans la saga contemporaine de Tuatha, 3 saisons de 2 tomes chacune, vous y trouverez de l'aventure, du suspense, des faits historiques, des légendes, 3 frères aux dons particuliers, 3 femmes qui vont leur damer le pion. L'Écosse, la France, l'Amérique et l'Allemagne, il y a aussi de drôles de créatures, des enquêtes, de l'amour, de l'ésotérisme, de l'érotisme, bref, tout ce qu'il faut pour vous évader. Ce que j'en dis, c'est que oui, il me manque un petit peu de souffle. Alors c'est pas mal, on arrive en quelques lignes à caler la saga, les pays, les gens, on parle d'évasion. Vu qu'on va voyager, c'est bien. Après, c'est dommage que ce soit un petit peu lié tout d'un bloc. Et que du coup, j'avais besoin de boire. Tuatha est une saga contemporaine, 3 saisons de 2 tomes. Vous y trouverez tous les ingrédients pour vous évader avec de l'aventure, du suspense, des faits historiques et des légendes. Vous rencontrerez 3 frères aux dons particuliers avec 3 femmes qui vont leur damner le pion. Promenez-vous en Écosse, en France, dans une petite librairie, en Amérique et même en Allemagne. Vous croiserez de drôles de créatures, mènerez des enquêtes, succomberez à l'amour, ou frissonnerez avec l'ésotérisme présent. Pourquoi pas? Bon alors du coup, pourquoi tout ça? Alors évidemment, ils avaient peu de temps, à seulement une minute, il y avait absolument rien de préparé et seulement quelques lignes. Hein. Voilà, tout simplement parce que face à un lecteur, il faut être accrocheur vite et il faut surtout aussi laisser une ouverture. Alors oui, là effectivement, ce que je vous ai donné, c'est des exemples hein, à ma sauce, évidemment pas du tout à la vôtre. Hein. Vous allez justement refaire tout ça avec vos propres mots et votre propre style, évidemment. C'est juste pour illustrer le fait que cet exercice peut vous aider à vendre votre ouvrage. Et du coup, ça a permis aux auteurs et autrices qui s'y sont soumis de se rendre compte qu'il y a des éléments qu'ils allaient oublier peut-être justement à un instant T, alors que c'était peut-être important. N'oubliez pas qu'il faut que la discussion soit ouverte. Si elle est fermée, ben au revoir et j'ai pas forcément envie d'acheter le bouquin. Ce qu'il faut retenir, c'est déjà de réussir à être concis et précis. Votre histoire parle de magie? Et alors, bah il y en a plein d'autres en fait qui en parlent. Vous allez voir justement que dans les salons, des histoires justement qui parlent de magie, il y en a plein. Donc qu'est-ce qui fait qu'elle est originale? Vos ouvrages brassent parfois des thèmes hyper intéressants, mettez-les en avant. Chacun justement a sa patte et a son style et c'est justement comme ça que vous allez réussir à sortir du lot. En bref, bien vendre ses ouvrages, c'est déjà le connaître de A à Z, tout comme vous, et de se fixer des objectifs au fur et à mesure. Vous voulez atteindre les 100 ventes sur combien de temps? 1 mois, 2 mois ou 1 an? Mettez toutes les chances de votre côté pour l'atteindre cet objectif. Vous pourrez effectivement un moduler aussi en cas de besoin, il faut pas non plus être trop carré, série quoi. Connaître son ouvrage, c'est savoir quel thème on brasse. Est-ce qu'on a un message à faire passer ou non? Quelle est notre originalité? Car oui, il y en a une. En revanche, je ne peux pas la savoir évidemment à votre place. Ayez confiance en vous sans devenir une pastèque.
Alors oui, on reparlera du syndrome de l'imposteur. En attendant, il y a la vidéo de Noémie Bourgeois justement sur ce sujet. Acceptez les compliments et utilisez les retours des lecteurs pour parler justement à d'autres lecteurs. Ils ont souvent les mots qu'on ne trouve pas. Ne devenez pas vantard, n'assommez pas justement les personnes avec les mêmes images tous les jours, avec les mêmes pitchs. Restez humble. Écoutez et rebondissez. Soyez ouverts aux autres, à leurs besoins, à ce qu'ils veulent lire. N'écrasez pas les autres, c'est la dernière chose à faire. Jamais. Ça ne sert à rien. Tout comme se comparer avec le voisin et le rabaisser, non. De toute façon, on récolte que ce qu'on sème, donc entraidez-vous. Ouais, mais W, il a réussi une campagne et X, non. Eh ben, mettez en relation X et W et ils apprendront l'un de l'autre. Utilisez les promos des plateformes. Alors, je ne l'ai pas évoqué ici, car on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, hein, fiche. Mais si vous avez un creux, non, pas de miam. Il y a des publicités qui ont fait leur preuve, des auteurs justement qui les utilisent et qui en sont satisfaits. N'hésitez pas, mais n'allez pas non plus aussi dépenser tout votre argent et finalement dépenser peut-être plus que ce que vous pourriez gagner. Rencontrer un consultant ou une consultante en communication. Ça peut vous débloquer et vous aider effectivement à y voir plus clair, donc why not? Je ne suis absolument pas fermée à cette option. N'hésitez pas à vous remettre en question, il faut vraiment apprendre aussi de ses erreurs, échecs, et on pourra justement transmettre, si ça se trouve un mois plus tard, notre expérience à un auteur. Comment ça, ça sent le vécu? Bah justement, on fait une erreur, on la rectifie, on rebondit, et comme ça, on peut aider les autres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On fera le bilan de la saison 4 avec tous les conseils qu'on a vus la semaine prochaine, et je vous annoncerai du coup ce qui va venir ensuite. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et à lâcher un petit like et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes Tipeee ou Utip afin de nous soutenir. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.